Shalom bien-aimés, vous êtes dans votre émission que vous aimez, La Voix du Salut, une émission d'édification, une émission de révélation, une émission de retour à la parole. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission, de notre enseignement que nous avons appelé les conséquences du péché. Bien-aimés, les conséquences du péché, vous devez savoir que dans l'homme, il y a trois parties, il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Donc, vous devez savoir que votre premier ennemi, c'est votre corps. Parce que le corps a cette révélation, il a écouté l'Égypte où Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, tu es la terre, tu retourneras terre. C'est-à-dire, le corps sait bien qu'il ne verra pas Dieu. Voilà pourquoi le corps, dans toute ta vie, va t'empêcher d'avoir Dieu et va te maltraiter en demandant, achète-moi ceci, achète-moi cela, achète-moi cela. Mais toi, ne cède pas au corps, sinon tu ne verras pas Dieu. Nous sommes dans notre message intitulé « Les conséquences du péché ». Et les conséquences du péché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes dans Samuel, nous sommes dans Samuel 11, où nous avons vu le roi David, qui était le roi d'Israël, qui était général d'armée et qui était le prophète, a commis une très grande erreur. Le roi a pris la femme de son soldat Uri. Le roi a couché avec la femme d'Uri. Alors, quand le roi a vu que la femme était grosse, le roi a voulu qu'il y ait la grossesse. Il va appeler Uri la guerre. Uri va venir. Le roi va inivrer Uri pour que Uri aille s'accoupler avec sa femme et soit le père de cet enfant qui devait naître. Mais Dieu avait empêché cela parce qu'il voulait t'éduquer, il voulait aussi m'éduquer, il voulait aussi éduquer tous ceux qui nous suivent à ce moment. Alors, vous connaissez l'histoire, le prophète va envoyer, Dieu va envoyer le prophète Nathan pour aller réprimander David. Et David fera quoi? David va tuer Uri, il va prendre cette femme pour que cette femme devienne sa femme. Dans 2 Samuel 11, la Bible déclare, dans 2 Samuel 11, 27, la Bible déclare, quand les deux filles passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait de plus à l'Éternel. La Bible déclare ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe actuellement. Les gens n'arrivent pas à distinguer qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Surtout nous qui sommes les francophones. Tu verras quelqu'un qui va aller voler dans une banque, il dit, bon, je vais prier pour que Dieu puisse m'aider, que cette coupe-là puisse réussir. Tu verras quelqu'un qui est dans la fausseté, il prie d'abord. Nous avons vu même des musiciens qui sont charnels, qui collaborent avec le diable, ils se permettent même de prier. Bien-aimé, vous devez savoir que tout se paye ici-bas. Dieu, il est merveillé et aidé derrière sa parole. Le roi David, comme il avait péché, il a tué la femme d'Uri. Alors Dieu voyait le prophète pour lui qui devait payer. À cause de ce qu'il avait à Uri et à la femme, il y aura des conséquences. Pour les conséquences, l'enfant va mourir. L'enfant de David avec Bathsheba, le premier enfant va mourir. Deuxièmement, si nous lisons dans 2 Samuel 13, 1 à 18, vous allez voir qu'il y aura même ce qu'on appelle l'inceste dans la famille de David. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amon, fils de David, l'aimant. Absalom, qui est le fils de David, avait comme sœur qu'on appelait Tamar. Amon, qui est fils de David, demi-sœur de Absalom et Tamar, va tomber amoureuse de sa sœur. Et si vous lisez dans 2 Samuel 13, 18, vous allez voir qu'elle va violer sa sœur, déshonorer sa sœur. À cause de cela, vous allez voir dans 2 Samuel
2 Samuel 13, 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le conquérant d'Amon sera égaillé par les mains et que je vous dirai frappé, Amon, n'est-ce pas moi qui vous ai ordonné, soyez ferme et battez. Les serviteurs d'Absalom tenaient à Amon comme Absalom l'avait donné. Ses fils du roi s'élevèrent, demandèrent chacun ce qu'il est et s'enfuit. Comme ils étaient en chemin, les parvint au roi David car tu es tous les fils du roi et qu'il le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole, dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amon seul est mort, et c'est le fait d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amon a déshonoré Tamar, sa sœur. » Donc, première conséquence, il y avait l'inceste. Deuxième conséquence, il y a le fratricide, le frère qui tue son frère. Et au-dessus de tous, il y a la révolte. C'est même Absalom, dans 2 Samuel 15, 1 à 37, va prendre le pouvoir, il va faire une révolution, un coup d'état. Il va chasser son père au pouvoir. Bien-aimés, remarquez maintenant, les rois d'Amon ont péché à cause du péché que Bathsheba. Les conséquences, c'est qu'il avait dit avec Bathsheba, c'est à quoi? Il a perdu ce qu'il a dit à Bathsheba, parce que Salomon sera le deuxième. Il y aura l'inceste dans sa famille. C'est devant vous, vont faire l'inceste et il y aura la fratricide, c'est-à-dire les frères qui et au-dessus de tout David chassé au pouvoir par son frère. Bien aimé, c'était trop triste. David qui était roi d'Israël, général d'armée, et il était aussi prophète. Toi, on t'a appelé ici par ta sœur. Ce que tu as vu, si tu vois pour les remercier, c'est de coucher avec son mari. Tout ce que tu peux faire pour remercier le mari qui t'a fait quitter l'Afrique pour venir ici, c'est de l'envoyer 100 mètres, le chasser de la maison, appeler la police et prendre l'argent des enfants, se balader avec les enfants de 15-14. C'est comme ça que tu remercies l'homme qui t'a fait découvrir ce grand pays. Le pasteur qui t'a réussi, le pasteur qui t'a consacré, tout ce que tu peux lui dire comme merci, c'est de diviser l'église, partir avec le fidèle. On t'a accueilli, tu es devenu ce que tu as changé de père spirituel. C'est ça, ce que tu peux faire. Tu vis avec un homme, tu vis avec Jean, mais tu mets au monde avec Claude, avec Antoine, avec je ne sais qui. Tu déshonores même ton mari. Bien aimé, tous ceux qui ont des enfants dans la maison, les enfants là ne sont pas les enfants de leur mari. Ils appellent leur mari, ils appellent les hommes de Dieu pour se mettre ensemble, qu'ils donnent chaque enfant à leur mère. Bien aimé, Batbazo semble la même bazo changer, c'est tout simplement parce que Baza va pagan. Il y a un moment où il y a maté à soupe, parce que Bible le Bible pour nos prophètes, oh, il y a un moment où il y a un maté à Obama Balini.
Bato wana ba bon wana te ba lipe ko bon wana te yango ba tikala kana l'église ba bêtise ande mwa. Alléluia. Le Dieu d'Abraham azan zambe oyo azwa kanyoso tu na maboko na ye. Azan zambe oyo ay kabate. Bien aimé, vous avez un apôtre. Vous avez un apôtre. Merci ça y est. Et ça nous fonde dans la service. Vous avez ça m'a bête. A comme une mine à gosse. Vous avez un bâle à gosse. Comment on peut y vendre. Vous avez un bâle à gosse. 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 Bien aimé, les sous David à Salaki, à mon avis, vous avez l'indice à qui goût, mais t'as la conséquence. Yo, aux Araki na Kinshasa, aux affaires, aux amoyens, nous avons aidé au Kébanzela, Moulanzela, ma colo, papa, au commis d'apôtre. Le fait que yo, au commis d'apôtre, au papa, à le commis pasteur, au commis prophète, au commis archibishop, au commis je ne sais qui, évangéliste, pasteur. Bien aimé, dis-moi David, c'est la carte de la carte. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, pardon. Je veux dire, je veux dire, via ma soumoza vie et au kené le mémo na koufa. Balobi Adana Eve Moukolo ba pécha ki, ba koufa ki, charnel ma bazaki en vie, mais spirituel ma bazaki au koufa. Kené na ba bar, kené na ba concert, kené na ba milieu, au moins n'a ni ba te belé, ba tambo la me ba koufa. Ba koufa na mou limo, li koufa la via ma soum. Si ma te yo et touche yo, ou sana, li ka mou soum ou lomé na koutou la même ni. Benana 00 44 79 400 86. Devo ko esi te to ka pasteur za pele na yo to be la masu pasteur limbi sangai to yo pasteur ba ba pasteur ki yo ya so ko ki mala basi abatu ko ko ke no pesh na bango protocol de le zo yo ba ane o za ba ko do rekire ba vanti e yo so ba sala ki ba vanti na katia sa za me za fu ko a ki pere mo ko lo fu ko su yo le meto na ta ko ki to za su na te pele te mo ki na na su ka Lifelo lola ezali boso okende wapi babi salaire ali sumu eza kufa salaire akufa eza lifelo bien aimé ça sert à quoi ko gagner nyonso comment batu bazo vivre lokola banyama omona mwasu azaki na ndako abimi akote pa voisin azo mela mai azo sekane nzoka ba pesa ekombo basio baboya ki mibali na bango oleba bala mibali mususu bakomo landa bana na biso ba 15 ans 16 ans kozwa mbongo oyo ya bana bafutaka oliaso mla bana komo pesa suba na mike so ko boya mobali za bien pona nyo komo bulu landa suba na mike ba msuba komo landa na bato théâtre bien mais so ko bali muto théâtre akoya osale lo théâtre na ndako libala eza na nazomo na bato mususu na ba Facebook bazo zo mabala bwana eza ba vanti libala eza na photo tendere frère muta bela a yemba libala basi nous va basi obala te omonye na photo zo seka to et tout olobi o futele tikaya na osalo lo ba théâtre osalo ba ventile bien aimé David il era sala ki li sumu na ide ke o memele de ngwa mais me ki problème parce que ça me a gagne ko ti ayo na alors so ki yo osana ka chama makamu peut-être ba ba mo te nzamba yevyo pate ya o di mi ko yo yambula otika parce que David il a joué à la fin. Peut-être que Nicolas Lissou nous a freiné pas dans nos bacs et les bossotés. Peut-être que Nicolas Lissou nous a freiné, yo, au pas mon maté. Zongi sa moana na moana na tatanaï. Yo vivarana Jean, Claude Moutabo de Sakai. Mais Moutabala yo Jean. Moutamema yo na poto Jean. Moutasala ma ramenos tout Jean. Tala niveau yo comme ko sa, même moi ko sa la moté. Bien aimé, ce qui arriva qui na vino peut-être au yébaki a moté. Mais maté a oyo évangéliste Salomon.
kala boye baga didier forme c'est que nzamba kutana nga nda révéler nga pona pesa dino mater.